en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blécomo, et avec elle, on va parler des 15 phrases à éviter au boulot. On va aussi s'entretenir avec notre experte en marketing digital, Grace Boussanga. Et aujourd'hui, elle a décidé de vous donner des astuces pour faire rayonner votre entreprise digitale et aussi votre site Internet durant la période de la Saint-Valentin. Et on va, après la pause, découvrir les outils du Centre canadien de protection à l'enfance. Mais avant de rentrer de plein pied dans l'émission, j'aimerais partager avec vous quelques informations. Et la première des informations, c'est concernant les différents musées de la région, en fait. Alors, vous savez, ils avaient décidé d'ouvrir le 2 février, je pense, il y a deux jours. Mais à cause de qu'est-ce qui se passe dans le centre-ville avec les camionneurs et tout ça, tous les musées de la nature, le musée de l'histoire, le musée des beaux-arts, le musée de la guerre ont repoussé la réouverture au 9 février, donc la semaine prochaine. Alors, si vous voulez, par exemple, ce week-end-là, participer ou bien même faire des activités, c'est possible de faire des activités de manière virtuelle. Donc, par exemple, si vous voulez faire des activités par rapport à l'histoire, au musée de l'histoire, il y a des activités virtuelles qui sont disponibles sur le site web. Musée de la nature, c'est pareil, il y a des activités disponibles sur le site web. Je vais aussi vous inviter à visiter le blackhistoryottawa.org. Et pourquoi je vous invite à faire ça? C'est parce que, comme vous le savez, le mois de février, on célèbre le mois de l'histoire des Noirs. Et cet organisme-là, Black History Ottawa, en fait, essaie de regrouper toutes les activités qui célèbre le mois de l'histoire des Noirs, non seulement dans la région, mais un peu partout en Ontario. Donc, si vous êtes intéressé à participer à ces activités-là, qui sont pour la plupart, je dirais, virtuelles, vous pouvez visiter leur site web encore une fois, au blackhistoryottawa.org. Je vais continuer dans la même lancée en vous parlant des activités qui entourent le mois de l'histoire des Noirs et vous inviter aussi à visiter le site web du CNA, du Centre national des arts. Le Centre national des arts n'a pas voulu rester en marge de qu'est-ce qui se passe durant ce mois. Alors, ils offrent des activités, en fait, et des spectacles, je devrais dire, de manière virtuelle, qui montrent un peu la culture afro-caraïbéenne et plein d'autres spectacles dans le genre. Donc, si vous êtes intéressé, www.cna-nac.ca, c'est le site web à visiter. On va aussi vous inviter à visiter le site web du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario, en abrégé RSIFEO. Eux aussi, ils sont en train de célébrer le mois de l'histoire des Noirs. Beaucoup d'activités, beaucoup de panels, beaucoup de discussions constructives se préparent de leur côté. Et si vous êtes intéressé, là, la seule chose à faire, comme vous le savez, on fait pratiquement tout virtuel dernièrement, ça serait de visiter leur site web pour pouvoir, pourquoi pas, vous inscrire à l'une de leurs activités. Donc, leur site web, c'est le www.rsifeo.ca. Donc, sur le site web, vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin concernant leur activité. Oui, j'ai parlé pendant longtemps du mois de l'histoire des Noirs, mais n'oublions pas que le mois de février, c'est aussi le mois du patrimoine franco-ontarien. Et dans ce contexte-là, je pense, en début de semaine ou la semaine précédente, on a reçu quelqu'un du RPFO. Le RPFO, c'est le réseau du patrimoine franco-ontarien. Et eux aussi, ils ont plein d'activités, ils ont plein de panels. Et franchement, ils ont essayé de s'axer cette année-là sur les études, en fait, sur tout ce qui est éducation. Donc, vous êtes intéressé à savoir qu'est-ce qui se passe du côté de l'éducation, surtout du côté de la francophonie. Vous êtes invité à participer à tous leurs panels et pourquoi pas même à participer virtuellement, au prix Michel Prévost qui va être offert, va être donné à quelqu'un qui s'est démarqué dans l'organisme là du RPFO. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est visiter leur site web, www.rpfo.org.
pfo.ca. Et ce que je sais du site web, c'est que si dans votre communauté, dans votre région, vous avez prévu quelque chose pour souligner le patrimoine franco-ontarien, ce que le RPFO vous demande de faire, c'est d'aller sur le site web. Au bas du site web, il y a un calendrier et vous pouvez directement soumettre une de vos activités, surtout si elle est virtuelle, pour que les gens de la communauté, les gens qui sont intéressés par le patrimoine franco-ontarien soient inscrits, puissent s'inscrire, pardon, et puis y participer. Des activités aussi à faire du côté du MIFO. Comme vous le savez, au MIFO, il y a toujours des activités, de super belles activités. Vous êtes invités, si vous voulez participer à l'une d'entre elles, à visiter leur site web au www.mifo.ca. J'en ai terminé avec mes informations, les informations que j'avais voulu partager pardon, avec vous. Et on revient maintenant à l'émission. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va avoir la chance de parler avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blekomo. Avec elle, on va discuter des 15 phrases à éviter au boulot. Et vous savez que quand elle vient, nous donne de très, très bons conseils. Notre experte en marketing digital, Grace Boussanga, sera aussi des nôtres. Et tout de suite après la pause, je m'entretiens avec M. René Morin du Centre canadien de protection de l'enfance. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne. Acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des rapports à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir nos croix de chemin, témoins du patrimoine religieux et culturel franco-ontarien, ainsi que la magnifique église et le presbytère château de Très-Sainte-Trinité de Raclune, deux joyaux du patrimoine religieux franco-ontarien. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Cette semaine, Anna t'en parle. Pour la première de la saison, je me retrouve en studio, en direct, avec Marcel Brault et on parle des élections. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur les activités et les programmes du Centre canadien de protection de l'enfance et avec moi, M. René Morin. Et ça me fait vraiment plaisir de parler avec vous parce que tout ce qui a trait à la technologie en ce moment-là, j'ai l'impression que ça vire fou et on a envie de savoir tout de suite en allant là, c'est quoi le Centre canadien de protection de l'enfance? Vous avez raison, ça part en fou, tout ce qui est techno ces temps-ci. Et comme parent, c'est pas toujours évident de suivre la vague, hein, d'être au courant de toutes ces nouvelles applications, de toutes ces nouvelles plateformes qui apparaissent du jour au lendemain, qui deviennent très populaires auprès des enfants et qui finissent par créer parfois des problèmes de cyberviolence sexuelle. On aura le temps d'en parler tout à l'heure. Mais le Centre canadien de protection de l'enfance est là justement pour aider les familles et protéger les enfants par rapport à toutes ces problématiques-là. On existe depuis une quarantaine d'années. Pour la petite histoire, on avait commencé au Manitoba après l'enlèvement et la disparition d'une jeune fille qui a par la suite été retrouvée malheureusement assassinée après avoir subi un abus pédosexuel. On était à la base une organisation de recherche d'enfants disparus, un peu comme Enfants Retour au Québec, par exemple, les versions manitobaines. Et après une vingtaine d'années, je vous dirais au tournant des années 2000, les autorités policières ont commencé à entrer en contact avec nous beaucoup plus souvent, puisque à l'époque, Internet était de plus en plus mis en cause dans des histoires de disparition d'enfants. Et donc, on a commencé à développer un programme qui est bien connu maintenant et qui s'appelle cyberaide.ca.
Et c'est quoi cyberaide.ca? C'est la centrale canadienne de signalement des cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet. Donc, les gens communiquent avec nous pour nous rapporter des situations de pornographie juvénile, de leurres d'enfants sur Internet, des situations de sextage peut-être qui ont mal tourné à l'école, des situations de sextorsion. Donc, j'utilise toutes sortes de termes pour expliquer un peu ce qui se passe, quels sont les dangers bien réels auxquels les enfants sont confrontés de nos jours, mais c'est vraiment ça qui se passe. Et nous, on reçoit ces informations-là et à partir du moment où on constate qu'on est en présence d'une infraction au code criminel, ben alors on retransmet les informations aux autorités policières qui, elles, vont faire le boulot qu'elles ont à faire pour protéger les enfants et éventuellement traquer les prédateurs qui s'en prennent à eux sur Internet. Mais dans le processus, on recueille aussi quand même pas mal d'informations dont on se sert pour développer toutes sortes de ressources, d'outils qu'on met à la disposition des parents, des familles, des enseignants, des écoles pour les accompagner justement dans leurs efforts pour mieux protéger les enfants sur Internet. Quand on parle de cette thématique-là, je suis pas mal sûre que les parents qui nous regardent en ce moment sont en train de grincer les dents, mais j'aimerais juste les rassurer parce qu'après la pause, là, on va leur donner des ressources que vous avez pour les accompagner dans ce process-là. Et je me mets à la place d'un parent qui a envie de rester en contact avec son enfant qui, par exemple, les ados en ce moment-là, à partir de 12 ans, 13 ans, ils commencent à réclamer des téléphones. Et souvent, là, c'est assez difficile de pouvoir rentrer dans leur bulle quand ils ont le téléphone parce qu'ils sont dans le téléphone avec leurs amis en train de discuter. Fait que je sais pas comment. Quel conseil que vous pouvez donner aux parents pour pouvoir, pas fouiner dans le téléphone, mais établir ce lien de confiance-là avec le jeune? Vous posez une excellente question et on nous la pose régulièrement d'ailleurs. Je pense qu'à la base, qu'il s'agisse de téléphone, de site web, d'Internet en général, c'est très important pour les parents de ne pas laisser, de ne pas abandonner leurs enfants à eux-mêmes avec ce genre de technologie-là qui les met en contact direct avec toutes sortes de personnes mal intentionnées. Hein. Je pense que comme parents, on a un rôle d'accompagnement à faire auprès de nos enfants et la façon dont on va s'y prendre va varier évidemment selon l'âge de nos enfants. On n'aborde pas ces questions-là de la même manière avec un enfant qui vient tout C'est juste vrai. De commencer à utiliser Internet et qui se balade sur des jeux en ligne. Si on a affaire à plutôt à des adolescents ou à des préadolescents, notre discours va être complètement différent. Je pense que dès le départ, lorsqu'on a affaire à des plus jeunes enfants, il faut commencer à leur en parler du moment qu'ils commencent à utiliser Internet. Donc, il n'est jamais trop tôt, mais quand votre enfant commence à aller sur Internet, c'est là qu'il faut commencer à lui parler de sécurité en ligne. Avec des jeunes enfants, on va peut-être les mettre en garde contre le fait qu'ils vont probablement, sans doute inévitablement, tomber sur du contenu dont ils seraient gênés peut-être de parler avec leurs parents. Ça arrive. Il ne faut pas être naïf comme parents de nos jours. On sait très bien que la pornographie, c'est partout sur Internet. On n'a pas besoin d'en chercher pour en trouver. Ça nous tombe presque dessus. Et ça arrive à nos enfants aussi. Mais ils seront peut-être gênés de vous en parler. Il faut être proactif comme parents, prendre les devants et dire à vos enfants, ben, écoutez, si ça vous arrive, ben, moi, je veux le savoir. Je veux savoir pourquoi tu es arrivé à ce site-là, qu'est-ce qui s'est passé, quel effet ça a eu sur toi. C'est important comme parent de rassurer vos enfants, mais de créer tout de suite cette espèce de complicité qui va faire en sorte que quand votre enfant va grandir et qu'il va se retrouver dans des situations beaucoup plus compliquées avec des adultes qui s'en prennent à lui directement dans un but sexuel, ben alors là, vous voulez que votre enfant ait développé ce réflexe-là qui va l'amener à se tourner immédiatement vers vous pour avoir de l'aide. Parce que dans l'espace numérique, les enfants ont souvent affaire à des adultes et ils ne sont pas à armes égales. Ils sont en désavantage par rapport aux adultes qui veulent s'en prendre à eux, d'où l'importance pour les enfants d'aller chercher de l'aide rapidement auprès d'adultes de confiance. Et souvent, les plus accessibles, ce sont leurs parents. Vous avez parlé des téléphones intelligents. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien évidemment, libre à vous de baliser un petit peu votre degré d'intervention, je dirais, mais il n'y a pas de mal à faire comprendre à votre enfant que de manière générale, quand vous leur mettez un téléphone intelligent ou un iPad, une tablette électronique entre les mains, habituellement, c'est vous qui avez payé pour ces technologies-là et c'est vrai, c'est vous qui avez payé pour ça, c'est vous qui les mettez entre leurs mains
parce que vous estimez qu'ils sont probablement assez matures pour s'en servir sans se mettre en danger. Maintenant, comme parent, puisque c'est vous qui avez payé les frais et qui payez peut-être aussi les frais mensuels, vous avez toute la latitude voulue pour dire à vos enfants que vous allez quand même vous permettre de faire votre job de parent et d'exercer un droit de regard sur ce qu'ils font avec ces appareils-là. Ne les surprenez pas, ne jouez pas aux espions avec eux, soyez tout à fait transparents. Mais permettez-vous d'avoir ces conversations régulières avec vos enfants. Ça peut prendre la forme d'un échange où, par exemple, vous demandez à vos enfants de vous expliquer quelles sont ces plateformes qu'ils utilisent. J'ai entendu parler de TikTok aujourd'hui. C'est quoi ce truc-là? Peux-tu m'expliquer comment ça fonctionne? Vous allez être surpris de voir à quel point vos enfants vont aimer jouer les pédagogues avec vous. Ils vont aimer vous faire sentir qu'ils en savent beaucoup plus sur le sujet que vous. C'est très et vrai. C'est donc une bonne manière d'ouvrir le dialogue avec vos enfants et profiter de l'occasion peut-être pour passer en revue les paramètres de sécurité, par exemple sur telle ou telle application. Est-ce que c'est possible pour des inconnus de communiquer directement avec toi? Oui. Ben alors, est-ce qu'il y a un paramètre, une case à cocher qui peut faire en sorte que seules des personnes que tu connais dans la vraie vie pourront communiquer avec toi directement? Est-ce que tu as ces filtres-là? On parlera tout à l'heure des ressources qu'on met à votre disposition pour avoir ces conversations-là avec vos enfants, mais c'est le genre de dialogue qui doit s'installer entre les parents et les enfants. Merci beaucoup, M. Morin. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de toutes les ressources que vous avez décidé de partager avec nous. Vous Merci. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Un garçon, une fille qui s'aimaient tous les deux d'une extrême folie est là. Mais le mal est parvenu qui les a fait mourir. Le mal est parvenu qui les a fait mourir. Enterrerons-nous un couple si gentil là. J'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais. C'est la belle qui m'aimera. J'aimerais ma vie que mon cœur aime. J'aimerais la belle. J'aimerais toute la vie. J'aimerais. C'est la belle qui m'aimera. J'aimerais toute la vie. La belle qui m'aimera. Nous les enterrerons au milieu de la ville et là. Nous les enterrerons au milieu de la ville et là. Sur la tombe de la fille, on plantera une olive là. Sur la tombe du garçon, on plantera une vigne. Sur la tombe du garçon, on plantera une vigne. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'intéresse maintenant aux ressources offertes par le Centre canadien de protection de l'enfance et avec moi toujours Monsieur Morin. Et avant la pause, juste pour mettre un peu ce qu'on discutait, c'est quand il fallait établir ce lien de confiance là avec son jeune par rapport à l'utilisation d'Internet et tout ça. Et ça m'a fait tout de suite penser à quelque chose. Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai ma nièce qui est allée voir sa mère qui lui a dit maman, il y a tonton un tel qui me suit sur, qui me demande de me suivre sur, je vais le dire, le réseau, sur TikTok et Snapchat. Puis la petite n'était pas confortable avec ça. Mais c'est parce que je me dis, il y a eu un lien de confiance qu'elle allait parler de ça à sa mère. Oui, tout à fait. Donc, c'est déjà une très bonne chose. C'est déjà un très bon indice pour la mère d'avoir que son enfant, que sa fille a eu ce réflexe-là de venir porter à sa connaissance quelque chose qui l'indisposait personnellement. Je pense que dans ce cas-ci, ce sera à la mère de vraiment voir qu'est-ce qu'il en est exactement, de s'assurer que les motivations derrière cet oncle, je crois, qui veut devenir son ami. Bon, écoutez, dans bien des cas, c'est la famille, ça peut être carrément légitime, mais on a aussi vu des cas où ça ne l'était pas. Donc, exactement. Vraiment garder un œil là-dessus.
Vous savez, on nous demande souvent, est-ce qu'il y a un profil type du prédateur d'enfants sur Internet? Il n'y a pas de profil type. Ça peut être n'importe qui. Et ça peut être votre oncle également. Et ça peut être un policier, ça peut être un enseignant. On en a vu de toutes les sortes. Hein. Donc, il n'y a pas de profil type, mais ce dont il faut être à l'affût, c'est les comportements. Donc, il s'agira de surveiller le comportement de la personne en question pour s'assurer que lorsqu'il est autour des enfants, que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de comportement qui vous ferait froncer les sourcils ou quoi que ce soit. Ben, à partir du moment où le comportement de l'individu vous indispose, ben, c'est là que vous devriez peut-être faire preuve d'une plus grande vigilance. Très bien dit ça. Alors, on va aller tout de suite dans les ressources. Et la première dont vous voulez nous parler ce matin, c'est cyberaide.ca. C'est quoi comme outil? Alors, cyberaide.ca, c'est là où il faut aller si vous avez besoin d'aide parce que votre enfant est aux prises avec une situation de cyberviolence sexuelle. C'est là aussi où vous devez aller si vous avez un signalement à faire. Donc, on reçoit des signalements au rythme de plusieurs milliers par mois, malheureusement. Mais on fait notre travail avec les autorités policières. Oui, tout à fait. C'est quand même assez astronomique. Là. Les chiffres donnent des sueurs froides parfois. Donc, c'est là que vous devez aller pour faire un signalement. On a une fiche de signalement qui est très, très, très détaillée, qui va nous permettre de recueillir un maximum d'informations. Et vous savez, vous pouvez également faire un signalement anonyme. Et c'est très important. Il y a des tas de gens qui, pour toutes sortes de raisons, des craintes par rapport à leur sécurité, par exemple, n'osent pas laisser leur identité lorsqu'ils font un signalement. C'est correct, on comprend ça. Nous, on va recevoir votre signalement quand même. On va prendre vos informations, on va les vérifier, on va vous accompagner, on va vous donner toute l'aide dont vous avez besoin et on va s'assurer que les démarches à prendre soient bel et bien prises pour protéger votre enfant. Cyberaide.ca, c'est aussi un site. Vous allez retrouver pas mal d'informations sur la sécurité en ligne. Et ce que je vous suggère peut-être, c'est de prendre connaissance d'un service qu'on appelle les alertes cyberaide.ca. Donc, vous pouvez, c'est bien en évidence sur le site, vous vous abonnez à ça et on vous enverra par courriel de temps à autre des informations sur les nouvelles tendances qu'on a pu observer. Par exemple, lorsqu'une nouvelle appli, un nouveau site web, une nouvelle plateforme commence à poser des problèmes. Oui, tout à fait. Parce que comme parent, ce n'est pas évident. Vous l'avez mentionné en préambule, il se passe pas mal de choses. On ne peut pas suivre le fil. On n'est pas toujours sur Internet comme nos enfants. Alors, où trouver cette information-là? Ben, avec les alertes cyberaide.ca, vous allez à tout le moins recevoir régulièrement des informations sur ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, et quelles sont les menaces pour la sécurité de vos enfants, et comment, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, comme parents, pour bien les protéger. Super belle ressource. On va passer à la deuxième là, qui concerne les jeunes victimes de cyberviolence sexuelle. Et je pense que ça, c'est un bijou. Là. Aidez-moi, s'il vous plaît, .ca. Parce que souvent, les jeunes, ils n'ont pas envie d'en parler à leurs parents. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, je vous dirais que dans la dernière année seulement, on a reçu des appels de plus de 3500 jeunes ou membres de leur famille, mais dans bien des cas, il s'agit de jeunes qui sont aux prises avec des problèmes assez... des situations pas très drôles, là, des cas de sextorsion, des cas de leurre informatique. Donc, ils viennent à nous en désespoir de cause pour avoir de l'aide parce qu'ils ne savent pas à quelle porte frapper. Et on apprend du coup qu'ils n'en ont parlé ni à leurs parents, ni à leurs enseignants, ni à d'autres adultes de confiance dans leur vie. Pourquoi? Parce que souvent, ils ont honte de ce qui s'est passé. Ou alors ils ont peur de se faire blâmer pour ce qui s'est passé et souvent ils se sentent seuls au monde. Alors nous, on veut bien, on encourage les jeunes à se tourner vers des adultes de confiance quand les choses dérapent, mais on est bien conscient que quand vous avez 14, 15, 16 ans et que vous êtes aux prises avec une situation de diffusion d'images intimes, c'est peut-être pas le genre de choses dont vous aurez envie spontanément de parler à votre mère. Vous allez peut-être vouloir régler le problème par vous-même et c'est ce qu'on vient faire avec le site aidez-moi-svp.ca. On explique aux jeunes quelles sont les mesures qu'ils peuvent prendre pour faire retirer des images intimes d'eux-mêmes qui se seraient retrouvées sur des plateformes grand public, par exemple. Comment je dis, moi, à Facebook,
que ma photo nue s'est retrouvée sur un post publié par telle ou telle personne. On va même jusqu'à vous donner des messages copier-coller que vous pouvez prendre et retransmettre aux opérateurs de toutes ces plateformes-là pour accélérer le retrait de vos images sur Internet. On vous explique aussi les lois, comment ça fonctionne. On vous explique tout ça en langage simple pour que vous puissiez bien les comprendre, savoir qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui ne l'est pas. On vous explique aussi où trouver de l'aide et comment agir par rapport à vos amis, aux personnes qui vous entourent. Donc, c'est vraiment un site qui s'adresse directement aux adolescents, aux jeunes qui seraient confrontés à des situations là, de violence sexuelle. Écoutez, Monsieur Morin, malheureusement, il va nous manquer de temps, mais j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, là, d'accepter une autre invitation pour une prochaine fois, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut discuter. J'avais envie de parler du projet Arachnid, parce que je trouve ça assez intéressant. Donc, on pourrait s'en reparler une autre fois, mais pour l'instant, là, je vais inviter les parents à visiter les deux ressources que vous avez partagées avec nous. Merci beaucoup, et puis on se voit certainement une prochaine fois. Merci à vous. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, surtout aux parents, je vous lance un appel. Vous devez aller visiter les ressources du Centre canadien de protection de l'enfance, surtout en ce moment où est-ce que la technologie vire un peu fou. Donc, les deux ressources que M. Morin nous a partagées aujourd'hui, c'est cyberaide.ca et la deuxième ressource, c'est aidez-moi s'il vous plaît.ca. Donc, si votre enfant, par exemple, ne peut pas parler avec vous, vous pouvez lui donner ce site web-là, aidez-moi s'il vous plaît.ca. Il pourra avoir des ressources dont il a besoin là-bas pour régler le problème dans lequel il se retrouve en ce moment. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec notre experte en marketing digital, Grace Boussanga. Elle vous préparera pour la Saint-Valentin. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Tu es toujours de circonstance. Comme un train qui quitte la gare pour les prairies de ton enfance. Quand le soleil dit bonjour, la nuit rencontre le jour. Avec tes yeux de lucide star, tu iras loin, tu iras fort. Avec ta voix et ta guitare, tu n'as jamais cherché la gloire. Comme la lumière dans un phare. Tout le s'égare, la nuit quand la lune est absente. Jamais trop tôt, jamais trop tard. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, notre experte en marketing digital va vous aider aujourd'hui à faire de vos médias sociaux, vos différents médias sociaux, une hymne à l'amour. Et la fondatrice de Avec Grace, Grace Boussanga, est avec nous. C'est notre première chronique et on tout de suite, là, on parle d'amour. On aime ça, parler d'amour. Bah oui, l'amour, ce qui paraît, l'amour réchauffe les cœurs. Hein. Il faut l'amour rend heureux, tout simplement. Donc, c'était vraiment très important pour moi, justement, de parler d'amour, surtout que dans 10 jours, c'est la Saint-Valentin. Alors, tu nous appelles maintenant, tu nous invites à habiller nos médias sociaux aux couleurs de la Saint-Valentin.
Oui, très important justement d'habiller vos couleurs à la Saint-Valentin. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, ben pour indiquer que ben vous-même, en tant qu'entreprise, vous célébrez ou fêtez en fait la Saint-Valentin. Donc ça peut être tout simplement, on connaît justement les thématiques de la Saint-Valentin, hein, le rose et le rouge. Donc n'hésitez pas justement à utiliser ces couleurs, soit par exemple en photo de couverture ou encore en photo de profil ou tout simplement même dans les visuels aussi que vous proposez. Ben n'hésitez pas à utiliser ces couleurs et puis surtout aussi, comme on dit, bien sûr, habiller vos médias sociaux aux couleurs de la Saint-Valentin, ben c'est tout simplement de faire en sorte de montrer le ton que vous célébrez la Saint-Valentin. Rappelez-vous, je crois aussi à un moment, vous le voyez sûrement, ben, tu sais, quand il y a les campagnes de Noël ou quand Noël ben, arrive, on voit justement en fait ce changement, ce switch en fait qui est fait justement sur les différents médias sociaux. On va voir, ben, tu sais, par exemple, les couleurs ou encore des calendriers de l'Avent ou encore ben, tout simplement des offres promotionnelles. Alors, pour les médias sociaux, j'ai une question pour toi, Grace. Est-ce que ça devrait commencer, je dirais, par exemple, aujourd'hui sur une dizaine de jours, ou bien c'est juste la journée qu'on va célébrer? Bah, honnêtement, en fait, ça va dépendre de vous. Pourquoi je dis ça va dépendre de vous? Parce que ça va dépendre bah, de l'offre de produits ou de l'offre de services que, par exemple, vous vendez. Moi, je ne vous cache pas que j'ai déjà commencé à recevoir mi-janvier, peut-être 25 janvier, etc., quelque chose par là, déjà des offres de promo pour la Saint-Valentin. Et puis, on voit aussi que ça commence à tourner, à tourner, à tourner. Il y a même, par exemple, hier, j'étais partie sur Sephora. Sephora qui a indiqué, bah, c'est maintenant qu'il faut commander si vous voulez recevoir vos cadeaux à temps pour la Saint-Valentin. Déjà, juste pour le dire. Après, par exemple, aussi, si vous offrez par exemple des services, ça peut être bah, comme moi je, des services de consultation, ou ça peut être par exemple, je sais pas, des massages ou autres. Bah, si c'est les massages, et là, on voit que tous les massages sont en train de réouvrir le 14 février, justement, donc c'est plus ou moins stratégique. Mais vous pouvez, par exemple, si vous êtes comme moi, bah, juste en fait, le jour, la journée de la Saint-Valentin, une petite publication pour souhaiter tout simplement une bonne Saint-Valentin, oui, bien sûr, aux amoureux, mais aussi tout simplement aux personnes qui soutiennent, votre marque. Alors, deuxième astuce que tu partages avec nous, c'est de faire de notre site internet notre meilleur allié. Et puis, on l'a vu un peu, on a vu un peu ton site web à l'instant là. Tu es déjà prêt. Donc oui, bien sûr, de faire en sorte à ce que votre site internet, ça soit votre meilleur allié, parce que pourquoi? Tout simplement, en fait, le site internet, c'est votre vitrine. Donc ça veut dire, en fait, il y aura des personnes, par exemple, ils vont taper, je ne sais pas, bougie, et vous allez être, en fait, tout simplement le premier site qui va arriver sur la page Google. Pourquoi je dis que ça va être votre première vitrine? Parce que ce n'est pas forcément les personnes, quand ils vont aller sur votre site internet, ils ne vont pas passer directement par vos médias sociaux, si tout simplement, par pur hasard, en fait, ils tombent sur votre site internet. Donc, ça va être très important pour vous en fait de tenir à jour ce site internet en question-là, et puis bien sûr aussi lui aussi de l'habiller aux différentes couleurs de la Saint-Valentin. Donc, n'hésitez pas par exemple à faire des fenêtres pop-up qui apparaissent et qui indiquent que voilà, période de Saint-Valentin, solde, je sais pas, 10% ou autre, ou même tout simplement d'annoncer partout sur votre site internet que bah, justement en fait vous préparez une promotion pour la Saint-Valentin juste au cas où. Alors, troisième astuce, c'est miser sur des campagnes publicitaires. Oui, miser sur des campagnes publicitaires. Et puis, on le voit, hein, on a vu qu'en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises en ce moment qui sont en train de se battre avec les médias sociaux parce que soit, par exemple, ils n'ont pas assez de visibilité ou autre. Et puis, on voit aussi que Facebook, justement, encourage énormément, en fait, l'investissement dans les campagnes publicitaires. Donc, c'est quelque chose que je recommande fortement, Facebook Ads ou encore les Google Ads. Pourquoi? Parce que, tout simplement, en fait, plus vous allez investir dans ces campagnes publicitaires-là, plus, tout simplement, ben, vous allez avoir une certaine visibilité. Et donc, plus les personnes en fait seront au courant bah, de toutes les offres promotionnelles que vous prévoyez faire pendant la Saint-Valentin. Puis ce qui est intéressant et ce qui est bon, et on le voit toujours, hein, c'est par exemple quand on rentre dans un site internet, on nous demande toujours d'accepter les cookies. C'est pas pour rien que justement en fait ces cookies sont là, dans le sens que voilà, vous allez venir visiter le site internet en question et quelques secondes après, par exemple, vous allez aller sur Facebook ou un autre endroit, mais vous allez Ah voir en oui. fait ici quoi, mais la page du site internet en fait que vous avez visité il y a quelques secondes, et puis cela va vous venir vous permettre, en fait, si vous investissez dans ce genre de campagne ou dans ce genre d'outil, bah, tout simplement d'augmenter en visibilité et puis de faire en sorte de, oui, par exemple, gagner des nouveaux clients pour la Saint-Valentin, mais surtout de garder cette nouvelle clientèle que vous avez gagnée pour plus tard. Pour plus tard. Et la dernière astuce, c'est la campagne SMS. Ça, j'ai pas bien compris comment ça fonctionne.
Oui, bah, la campagne SMS, et puis on le voit, il y a énormément d'entreprises en ce moment qui investissent en fait dans les campagnes SMS. Donc, c'est-à-dire en fait à chaque fois qu'il y a des promos ou des nouveautés en fait au sein de votre entreprise, vous avez la possibilité en fait d'envoyer un texto directement en fait à votre client. Donc pourquoi j'ai décidé de mettre ça là? Parce que tout simplement ça nous permet en fait ici d'être proche de notre clientèle en question et puis de permettre aussi en même temps à la personne qui reçoit le texto en question bah, d'être au courant en primeur comme on dit ou en prime time comme on dit de toutes les nouveautés que vous avez. Et puis ça c'est un excellent moyen justement d'être proche de votre client et puis surtout on sait tous hein, on a notre téléphone H24 avec nous tout simplement. Donc le simple texto, un simple texto peut venir faire la différence et puis peut tout simplement bah, en fait là inciter la personne à profiter de votre dernière promo de Saint-Valentin. Alors là, on va inviter les gens à aller visiter ton site web pour avoir plus d'informations et pourquoi pas pour avoir une séance, une consultation, je devrais dire, avec toi. Et autre bonne nouvelle pour cette année, pour l'agence Avec Grâce, je pense que c'est intéressant qu'on le mentionne, tu offres maintenant des formations, mais longue durée. Est-ce qu'on pourrait en savoir rapidement un peu plus, s'il te plaît? Oui. Donc, il y a des formations, justement, on l'a vu hein, depuis 2 ans. Maintenant, beaucoup de personnes cherchent à se former, justement, sur les médias sociaux, ou même aussi beaucoup de personnes ont maintenant plus ou moins du temps ici à, justement, bah, investir dans leurs entreprises ou tout simplement à se lancer en affaires. Mais beaucoup de personnes, en fait, manquent certaines connaissances, en fait, en termes de médias sociaux ou en termes aussi de marketing stratégique. Donc, moi, j'offre plus ou moins de la formation ici pour pouvoir les aider et les accompagner à faire en sorte d'avoir, bien sûr, une bonne visibilité. Et puis, surtout, aussi, bah, de faire des ventes. Merci beaucoup, Grâce. Eh bien, on se voit le mois Merci prochain pour une prochaine chronique. Bye bye. Bonne Alors, Saint-Valentin. bye. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, vous êtes invités à visiter le site web de Grâce Boussanga, donc www.avecgrâce.com. Vous pouvez avoir des conseils et en plus des conseils de la consultation, après la consultation, vous pouvez participer à sa formation. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blécomo. Et aujourd'hui, on parle des 15 phrases à éviter au boulot. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rosace. Se trouve dans ses rangées, stocké d'horreur. Mes torses nus, à côté sur le comptoir où tout le monde peut voir la vente d'accessoires pour substances. Retour à entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant avec notre spécialiste de l'étiquette et on partage avec elle, ou du moins elle partage avec nous 15 phrases à éviter au bureau. Et pourquoi on a voulu parler de ça aujourd'hui, Julie? Ben, écoutez, on continue dans la pandémie. On était en mode adaptation. Maintenant, on peut dire que la majorité là, de nos téléspectateurs, Claude Andrea, sont confortables, mais il reste que des phrases qu'on aurait pu dire en personne, en présentiel, comme on a maintenant l'habitude de dire, sont aussi à éviter dans nos discussions virtuelles.
Donc, virtuel ou présentiel, il y a des phrases à éviter au travail. Julie m'a fait préparer un beau bol. Puis là, les 15 phrases à éviter, là, on va les prendre au pif. Je vais commencer avec la première. Et la première des phrases, c'est « c'est juste une blague ». C'est juste une blague. Quand on dit ça, avant que la personne dise c'est juste oh, arrête Claude, on va partir en fourrée. Avant que la personne dise ça, déjà il y a le malaise, hein. Puis là la personne s'empresse de dire non, c'était juste une blague. Donc si il faut qu'on dise c'était juste une blague, c'est peut-être que quelqu'un dans la pièce, quelqu'un de l'autre côté de l'écran a perçu autre chose qui pourrait être malaisant. Alors, on devrait jamais dire c'est juste une blague. Alors, il y a quand même un filtre qui doit avoir lieu dans sa tête. Alors, Julie, mais il y a des gens qui disent des affaires, mais qui sont pas foncièrement méchantes ou elles ne veulent pas vexer. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Oui, puis dire c'est juste une blague, de dire quelque chose comme « Mon Dieu, je viens de réaliser ce que j'ai dit. Je suis vraiment navrée. Si j'ai pu offenser, si j'ai pu créer un malaise, si j'ai pu quelque chose. Hein? » Au lieu de dire c'est juste une blague, parce que s'il y a eu une mauvaise interprétation qui pourrait être très biaisée, qui pourrait être trop colorée, trop salée, trop ci, trop ça, ou mal interprété, on peut toujours dire « désolé, je viens juste de réentendre, je viens de rebobiner la cassette ». Puis des fois, c'est un geste aussi. Alors, juste de s'excuser, au lieu de dire « c'était juste une blague ». Parce que si on a à dire « c'était juste une blague », c'est probablement que ça ne l'était pas, qu'il y a eu une mauvaise interprétation. Puis ça arrive, là, Claude, tu as raison, le pendant là, ça arrive, des fois, là, ça sort tout seul. Hein? Alors, on fait juste reculer, rebobiner, et on s'excuse. Mon Dieu Seigneur, je viens de réaliser. Puis, Claude-André, j'aimerais ça rajouter aussi que si nous, de l'autre côté, l'autre personne ne réagit pas, on peut tout simplement dire « Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que tu as dit bla, bla, bla? » Ah, confirmer! OK. Oui, confirmer, valider, exactement, tu as raison. Merci beaucoup, Julie. J'adore quand tu es sur l'émission. J'y vais avec une deuxième phrase. Je la tire. Je pense que... J'espère que vous avez pensé. Tout le monde pense. Alors, pas besoin de dire « je pense que ». Hein? On peut dire quelque chose comme « dans mon expérience, dans un scénario que j'ai vécu, lors de telle situation, mais je pense », c'est ce qu'on fait tout le temps. C'est ce qu'on fait tout le temps. Alors, c'est pas... On espère que vous pensez. Je te promets que je lisais ta chronique sur ton site web, étiquettejulie.com, et puis je me suis dit, ouf, il y a des choses que je me reconnais là-dedans, comme tu dis des affaires, mais tu sais pas comment l'autre va le prendre en arrière, et puis c'est bon de lire tes articles, là, sincèrement. On va y aller avec la troisième phrase. Oh oui, tu voulais mentionner quelque chose, Julie? Oui, en lien avec, je pense que là, c'est une question de monter sa crédibilité. Vous savez, en réunion, là, on a peu de temps des fois pour parler. Il y a une concentration qui est accrue. Il y a comme une fatigue accrue aussi en ce moment avec ce monde virtuel. Alors, il y a une réflexion à y avoir pour ce qu'on va dire. Puis c'est certain que la prochaine fois, là, vous allez arriver, vous allez dire « je pense que », mais là, vous allez vous souvenir de cette chronique. Puis, on espère que vous allez remplacer « je pense que » avec quelque chose comme « dans mon expérience, lors de telle situation », quelque chose comme ça. Très bien, merci. Troisième point, c'est l'expression « pas de problème ». On le dit tout le temps. Pas de problème. Ça, je vais faire une montée de lait. Je pense que je vais pas de problème. Quand je fais une demande à quelqu'un, disons que je vais au garage, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vérifier telle chose? Pas de problème. Ou quand la personne m'apporte, là, les restaurants vont réouvrir, ça commence tranquillement, la personne m'apporte mon plat, merci, puis là, le serveur dit pas de problème. Mais non, il n'y en a pas de problème. Vous me venez de l'observer,
ce que j'ai commandé au restaurant. Il n'y en a pas de problème. Alors, le pas de problème, pour moi, est un grand irritant. On devrait dire merci, il n'y a pas de quoi, vous êtes bienvenue, avec plaisir, mais pas de problème. Juste le fait de dire problème, qu'est-ce qui s'en vient dans ma tête? Ben, il y a un problème. Il n'y en a pas. C'est ça, là, quand je l'ai lu, je me suis dit, OK, c'est parce que je dis ça aussi souvent, comme pas de problème. Mais dans le fond, ça, ouais, je pense qu'on va reformuler. Merci, Julie, d'être là. On va y aller avec le quatrième point. La quatrième phrase dont on veut parler, c'est « Je n'ai pas le temps de vous parler ». Quelqu'un répond juste au téléphone. Mentionne. Allô? Ah, c'est joli, j'ai pas le temps de vous parler. Ben là, pourquoi vous avez répondu? Oui, il y avait la messagerie. La messagerie vocale, elle est très efficace. Laissez la messagerie vocale faire son travail. Évidemment, il y en a, on dit, ben là, Julie, il y a des exceptions, là, j'attendais peut-être un appel. Alors, on peut dire à la personne, j'attendais un appel, je peux recommuniquer avec vous. Si vous voulez m'envoyer un courriel, on va trouver ensemble une plage horaire. Mais quand on répond, c'est parce qu'on est disponible. Merci beaucoup, Julie. On va prendre une pause et juste après la pause, on va continuer encore avec l'une de ces 15 phrases-là dont on veut discuter. Vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours des 15 phrases à éviter au travail avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blécomo. Et moi, j'ai un petit bol ici dans lequel se trouvent les 15 phrases. On en a déjà pigé 3, 4, 5 avant la pause. Là, on passe pour la sixième. Et la sixième, c'est peut-être niaiseux. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est peut-être niaiseux. C'est peut-être niaiseux. Ben, si c'est niaiseux, filtrer, le dites pas, hein? Remplacez ces phrases-là, parce que la même chose qu'avec pas de problème, vous venez de me mettre un mot dans la tête. Tu sais, Claude-Andrea, des fois, tout ce qui est la neuro-linguistique, là, ça compte les mots, ça compte pour affecter le ton, et ça compte surtout pour affecter la crédibilité. Alors, pas c'est peut-être niaiseux. Alors, on pose la question, soyez franc quand vous posez une question. Puis, dans des réunions, là, c'est le moment de valider l'information. Alors, j'aimerais valider une information. Si j'ai bien compris, selon ma perspective, selon mon interprétation, alors retirez niaiseux, retirez problème, retirez des mots qui peuvent être perçus négativement et être néfastes à votre crédibilité, au niveau de confiance qu'on va vous porter.
Définitivement. Et puis dans ton article, là, c'est mentionné, ça montre quelque part un manque de confiance en qu'est-ce qu'on est en train de vouloir dire, en fait, en commençant par ça. Oui, oui, tu as raison. On se minimise. On se minimise. On est invité à cette réunion-là parce qu'on est important, parce que ces gens-là croient important qu'on soit là. Et souvent, là, quand on se retrouve dans une équipe et qu'il y a une personne qui est nouvelle ou une personne qui n'a pas notre expertise, qui n'a pas notre expérience, le fait que cette personne-là pose une question pour nous aider à vulgariser ce qu'on est en train de dire, là, c'est très aidant. Parce que des fois, quand on se retrouve dans un groupe qui est très homogène, on se comprend entre nous, mais là, est-ce que notre public va nous comprendre? Peut-être pas. Alors, n'hésitez jamais à poser une question pour valider votre compréhension. N'hésitez pas à poser des questions, surtout en réunion. Julie, on va passer au septième. OK, je vais prendre celui-là. L'utilisation des jurons, ça, je ne fais pas. Oui, il se trouve que c'est déjà là, de réduire sa crédibilité. Je sais que dans certains secteurs, on pourrait penser comme peut-être anciennement même à la construction, où est-ce qu'on en entend peut-être de moins en moins, mais déjà quand on entend des jurons, c'est très négatif. C'est négatif pour soi, premièrement et avant tout. Ça va minimiser notre crédibilité, puis c'est nocif aussi dans l'environnement. Ça peut être offensif, ça peut être blessant. Alors, retirez-les. Réfléchissez-vous de remplacer avec quelque chose comme chocolat. Comme chocolat. Il y a des gens qui sont, pas impulsifs, mais c'est leur manière à eux d'amuser la galerie, mais souvent, ce n'est pas confortable pour d'autres. Dans ce cas de figure-là, comment on travaille ça? Oui, puis notre langage au travail, même en visioconférence où est-ce qu'on n'est que deux personnes, devrait être approprié pour un film. Tu sais, Claude Andrea, les films, là, on nous donne la cote G, la cote pour tous. Alors, notre langage en visioconférence, dans un appel, dans une salle de conférence, même quand c'est très tordu où est-ce qu'il y a beaucoup de négociations, notre langage devrait être approprié pour un public pour tous. Alors, il y a des tout petits de 7 ans qui écoutent, puis il y a des grands-papas, des grands-mamans de 77 ans et plus. Alors, si on utilise ce filtre-là, une cote pour tous, comme au cinéma, ça devrait bien aller. Ça devrait bien aller. En tout cas, on continue avec nos suggestions de phrases à éviter au travail. Oh, peut-être ou ça dépend. Dire peut-être ou ça dépend. Oui. Peut-être, ça dépend. Puis là, la personne est là, puis elle réfléchit, puis on est en suspens. Ben, laissez-moi vous présenter. Qu'est-ce que tu veux me dire? Oui, c'est ça, qu'est-ce que vous voulez me dire? Alors, si on se tourne vers vous, c'est qu'on croit que vous avez l'expertise, l'expérience, que vous allez pouvoir trancher, prendre une décision. Vous pouvez dire quelque chose comme, il y a deux situations, il y a deux solutions possibles. Ou laissez-moi rassembler toutes ces données et laissez-moi vous parler des possibilités. Au lieu de ça dépend, laissez-moi vous présenter des possibilités. Avec scénario numéro 1, il y a telle chose qui pourrait arriver. Scénario numéro 2, scénario numéro 3. Alors, on ramasse les données et on présente les possibilités, les solutions, ce qu'il pourrait arriver. Au lieu de laisser ça en suspens, ben ça dépend. Mais on veut savoir, ça dépend de quoi. C'est comme quelqu'un qui disait, c'est soit oui, soit non. Quand c'est peut-être, ça veut dire directement que c'est non. Donc, peut-être que dans la tête de notre interlocuteur, directement, la personne va se dire, c'est parce que peut-être c'est non. Oui, exactement. Alors, positionner comment cette dépendance-là au oui ou au non. Qu'est-ce que c'est? Des fois, c'est presque comme faire un arbre de décision. Pour le oui, il y a telle chose. Pour le non, il y aurait telle chose. Alors, dites-le de haute voix au lieu de laisser en suspens. Après, ça dépend. Une autre phrase à éviter au travail, c'est « toujours ou jamais ». Oui. C'est trop drastique, là. Ah oui, c'est toujours comme ça. On l'a toujours fait comme ça. Puis, portez vos chaussures de client, là.
Quand vous allez dans un commerce, quand vous faites une demande dans un commerce de détail à un fournisseur de services, on fait ça toujours comme ça. Mais là, vous voulez savoir que vous êtes important, vous voulez savoir qu'il y aurait peut-être une exception ou non, jamais, jamais, jamais. Jamais, on fait jamais. Laissez-moi vous parler. Non, jamais. Alors, le jamais, puis le toujours, c'est très, très rare. Le jamais et le toujours. On le remplace par quoi, Julie, alors? Bien, ce qu'on dit, on pourrait peut-être présenter dans la politique actuelle, il y a telle, telle chose. Selon notre procédure, telle, telle chose. Alors, laissez-moi vous présenter votre demande en lien avec ce qui est déjà en place. Puis là, ensemble, on peut essayer de trouver une solution. Mais les définitifs, là, c'est quand même assez rare. Là. C'est quand même assez rare. On n'a rien qu'à penser à plein de situations dans notre vie où est-ce qu'on a vécu des exceptions où on aurait aimé en entendre. Alors, attention au « toujours et jamais ». Alors là, il va nous rester juste quelques secondes avant de prendre la pause. Je ne sais même pas si on a le temps de piger une phrase, je ne pense pas. Mais en ce moment-là, ce que j'aimerais faire, c'est inviter les gens à aller sur ton site web étiquettejulie.com pour aller lire de long en large, en fait, cet article que je trouve super intéressant. Est-ce que tu continues en 30 secondes, là, Julie? Tu pourrais nous dire si tu continues tes consultations? Ah oui, oui, je continue mes consultations, les actifs d'apprentissage en mode virtuel. Quand il y a eu cette accalmie un peu, là, j'ai reporté mes talons hauts, puis j'étais très contente, Claude-Andréa. Et je commence déjà, j'ai une date de réservée pour le mois de juin, où est-ce que je vais aller vers Toronto en présentiel. Alors, ça reprend intelligence culturelle, biais inconscient, ça c'est la nouveauté au sein de mon entreprise. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, ici Jim Watson. Joyeuse nouvelle année lunaire. Gong Hei Fat Choi. Je voulais simplement profiter de l'occasion pour adresser mes meilleures voix à celles et ceux qui célébreront l'année de Tigre à Ottawa. Je sais que la pandémie nous a forcés à limiter les célébrations. Cependant, si nous continuons à respecter des directives et à réduire la propagation de la COVID-19, nous pourrons très bien célébrer cette année importante comme il se doit. Encore une fois, bonne année, Chéché. Nous venons de traverser des moments difficiles, une dure épreuve pour beaucoup. Mais ça nous a aussi rapprochés, et ça doit continuer. Il est temps de dire haut et fort, voici ma communauté, c'est ce qui compte le plus. Il est temps d'aider vos voisins les plus touchés, les vétérans, les aînés, les jeunes. Il est temps de rebâtir. En adhérant à la Légion, vous soutenez des programmes et des initiatives essentielles au sein de votre communauté. Je vous invite à écouter et à voir Encore jeune, une émission et un magazine pour les aînés, un magazine de grandes choses constitué de toutes petites choses. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est toujours avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blekomo. 15 phrases à éviter au travail. La dernière des phrases, c'est « pour être honnête avec vous ou pour tout vous dire ». Pour être honnête avec vous, laisse-moi être honnête avec toi. Ben là, Claude-Andréa, elle pense, toutes les autres fois, elle m'a menti. Est-ce qu'elle a l'habitude de mentir? Hein? Ces phrases-là là, qu'on utilise, qu'on les utilise comme béquilles, retirez-les. Dites ce que vous avez à dire pour être honnête avec toi, ma chère Claude-Andréa. Ou pour tout te dire, est-ce que tu vas vraiment tout me dire? Tant de merci beaucoup, Julie. Écoute, j'aimerais encore une fois inviter les gens à visiter ton site web www.étiquettejulie.com. Et Julie nous annonçait une bonne nouvelle avant la pause, c'est qu'elle reprend avec ses formations. Il y a un nouveau combo qui se prépare. Donc, vous devez la suivre et sur les réseaux sociaux, mais aussi sur son site web. On se voit une prochaine chronique, Julie. Bye-bye. Bon week-end.
Bye bye. Et moi, pour finir, j'aimerais vous inviter à prendre ce recueil-là, projeté Confiance et crédibilité de Julie Blaikomo. Vous pouvez l'avoir facilement sur le www.etiquettejulie.com. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un agréable week-end. On se voit lundi à partir de 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.